Du coup, je réponds à Shane Blood. Chris me répond. Et ensuite, Podos. Enfin, il est un Dan, il dit Podos. Donc, c'est un Dan et un Dan de notre côté. Et en face, Shane Blood, je crois qu'il est un Dan ou deux Dan. Et Chris, il est quoi? Il est un Q, je crois. Je sais plus. C'est à peu près équilibré. Enfin, c'est équilibré. Moi, Fox the Dan, je connais pas les niveaux KGS. Je saurais pas dire comment on compare, mais... Je crois qu'il y a déjà fait un truc pour comparer avant. Qu'est-ce qu'on fait ici? On va faire ça. Je vais juste regarder là. Je crois que sur mon profil, il y avait marqué un truc qu'on pouvait comparer avant. Non. J'ai dû supprimer. Voilà. Il y avait ça qui existait avant, je crois. Tac. Je vous envoie sur le chat aussi. Il y avait ça qui... Je sais pas si c'est toujours d'actu, hein, mais bon. Il y avait ça qui comparait avant, ouais. Un petit peu. Donc il y a Fox, de Dan Fox, ils disent que ça vaut un QKGS. Ouais, voilà. C'est ça. Ah oui, c'est à Chris... Ah non. C'est Shiny Blood qui vient de jouer ça et il dit bonne chance à Chris pour la suite. 2018, ça va peut-être bouger. Sur OGS, je pense être dans les 2-3 Q. Ouais, non, je suis d'accord. Sur OGS, dans les 2-3 Q, ça dit quoi? OGS, ça dit par rapport à de... Ça dit 1Q aussi. Mais sur OGS et KGS, j'ai pas l'impression que ce soit le même niveau actuellement. Ça joue là, ok. Ça existe, c'est Chris qui vient de l'inventer. Après, il n'aura pas obtenu une petite forme sympa, mais ça donne pas mal de points de cash à Blanc, quoi. Blanc a 6-5 de commis ici. 6-5 de commis. 20 minutes chacun, 5 fois 30 secondes. Normalement, j'ai réglé les problèmes de son, donc s'ils sont d'accord, je mettrai ça sur YouTube. Ça pourrait être sympa. La dernière fois, on avait eu une très belle partie, mais encore une fois, il y avait le problème de son que j'ai un peu de galère, que je galère un peu à régler. Ça fait sortir des sentiers battus, mes boulettes, c'est bien. Mais non. Ça joue comme ça, bon. Je pense que mon coup est là. Quand on vous menace de couper un Toby, normalement, vous connectez le Toby. J'imagine, il doit y avoir quelques exceptions, mais bon, pas beaucoup. Finalement, ça va presque revenir à un truc un peu avalanche. Salut Lugubre, ça va? En même temps, c'est gros. Hein. Si Noir vient là plus tard, bon, on capture la pierre, hein, mais. Le contre Atari, capture, en passant ici. Cette forme est pas vraiment attaquable, je trouve. Ça donne envie de prendre le CNT. Bon, c'est gros, hein, mais ça donne vraiment envie de prendre le CNT. KGS, c'est plus fiable si tu es du cul sur OGS, sur KGS, contre un Dan. Ok. Faible, ok. Fiable, je me disais, ah bon. Bah, c'est l'impression que j'ai, ouais. Franchement, ouais. Sur OGS, là, j'ai galéré quand des 3-4 Q des fois. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ici? Peut-être plus fiable. Allez, on prend le coin. Eh bien, mais ça, j'espère que le stream a été agréable aujourd'hui. Bon, jusque-là, oui, très. Toujours agréable quand les gens discutent. On a gagné la partie en plus à l'avant, donc c'est cool. Parfait. Tout va bien. Tout va bien. On l'a déjà fait la dernière fois, ça. On nous l'a déjà fait. C'est tentant. Hein. Tentant, mais est-ce que c'est bon? C'est une autre question, ça. Je refais les coups un peu dans ma tête pour voir sur quelle direction ça nous dirigerait. Don't play with fire. Non, je suis avec Vache cette fois, donc ça va. T'inquiète, c'est moi qui joue après tout.
Il y a pas mal de personnes qui regardent aussi sur KGS. Bon, j'imagine qu'il y a plusieurs qui sont sur le stream, tout simplement. Derrière leur propre variation. Ok. Ce qui va revenir à un année qui n'est pas devenu un double année finalement. Ouais. Tac. Ah. Du coup, il faut pousser une fois encore. Sinon, la descente en G18 SNT de noir. Ça, je dis, bon, ça se retrouve assez facilement, assez fréquemment. C'est si blanc ne répond pas à G18, c'est qu'il Tenuki. Quand noir descend G18, c'est SNT. Sinon, il peut tuer le coin. En descendant notamment en B16 ensuite. Quand blanc descend, noir Ané, blanc protège, noir B16, et c'est mort. C'est agressif ça. Je vais faire attention à pas trop dire quel coup j'ai envie de faire après, parce que je crois qu'ils écoutent presque tous la partie. Et comme eux, ils peuvent pas discuter entre eux, les deux adversaires. Ça. Je pense que ce coup est à peu près évident. Ça écrase l'adversaire un peu. Ouais, à la place de B16, en fait, il fallait continuer en H17. Et là, blanc faisait une approche vers D12, par exemple. Ou C11, ou un truc genre, quoi. Je quitte ici, plus simple. Ouais, ok, merci. En vrai, là, pour blanc, moi, ce que j'aimerais bien comme coup... Parce que là, c'est pas à moi, hein, non. Ouais, non, c'est pas à moi. C'est... J'aurais joué K17, je pense. J'aime bien t'entendre parler en même temps. Je comprends. Ouais, j'aurais bien aimé K17 à la place de blanc ici. Après, ça met plus la pression. Je pense que c'est deux styles différents, tout simplement. Protéger ici, ça aurait été pas mal. Mais je vais quand même... Ah, je pense que je vais continuer sur l'idée de mon adversaire. De mon coéquipier, pardon. Parce que si maintenant je recule, bon, ça on perd de la logique de J15. Maintenant, si je vais là, ça menace toujours de faire le Hané. Soit si l'adversaire atari, il peut, hein, mais après s'il recule, ben, il se mange un Hané ici, et là c'est trop douloureux. Donc je comprends la montée. Et bonsoir aux 24 viewers. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous voulez voir être prévenu des prochains streams. Et ça soutient beaucoup la chaîne. Solide ça. Ouais, le C6 effectivement, très solide. Bonsoir aux Astonished. Bonsoir. Du coup, on laisse une coupe ici. Ok. J'ai un coup de merde. Ok, je pensais que ça nous continuera à nous couper. K17 aurait été gênant, je pense. Ces trois pierres auraient été quand même assez inutiles. Et le statut dans le coin après un B18, incertain. Comment tu vas? Pas moi. Bon, il reste trois bords à disputer. À droite, à gauche et en bas. Quel est le plus intéressant pour noir? Ok.
Ouais, moi j'aimais bien en bas. J'aimais bien en bas du fait de. C'est cette forme la plus forte, je trouve. Notamment avec. Bah, quand j'ai pas répondu en hier, trois persos. Bah, ce groupe-là est d'autant plus indestructible, je trouve. Donc, ça aurait été pas mal de faire une extension à partir de ça. Je suis glissé comme ça. J'hésitais entre B8 et une pince. Mais la pince, quand il descend, en fait, ils sont trop costauds ici. Ok, ça veut capitaliser sur. C'est Pierre? Faut pas que ça finisse sur concentré, quoi. Elle est jolie l'image de. Je sais pas si c'est Shine Blood ou Chris. C'est Shine Blood, ok. C'est la mienne, ok, oui. Il n'y a aucune originalité. Bon. C'est le film qui a inspiré Kill Bill. Sérieux? C'est quel film? Je connais pas du tout. Lady Snowblood. Ok, bon, je vais noter ça. Comme ma copine aime beaucoup Kill Bill, ça l'intéressera peut-être. Lady Snowblood avec Meiko Kashi. Ah ça me dit quelque chose, le nom. Peut-être que c'est un prénom répandu aussi. Hop. Hop là, merci. On a affaire à un connaisseur, c'est clair dans le chat, ouais. Que je vais là quand même. En fait, j'attendais la réponse de Noir parce que je lui disais s'il fait ça ou ça, je pense que je joue ça donc. J'attendais. Mais c'est bien que ça, on se recalque un peu sur leur temps. C'est parfait. Il s'approche en bas, ok. Ça Tenuki ce qui se passe à gauche. C'est comment au niveau points? J'ai l'impression qu'on est pas mal. Niveau points. Par contre, niveau force, c'est plus eux qui sont en forme. Plus de pierres dirigées vers le centre. C'est autour de Podus. Donc on pince la pierre en F3, tout en se gardant en réserve une extension en M3 qui n'est pas trop proche non plus de leur forme. J'aime bien ça, cette pince instantanée, hein, comme l'autre partie. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Noir? Qu'est-ce qu'il fait? On vient de lui retirer une de ses trois directions, donc après, oui, c'est plutôt la sortie ou le coin. Et ça vient comme ça, ok. Donc la dernière fois, j'avais protégé comme ça. C'était dans un stream de la semaine dernière. Et on avait vu qu'il y avait cette possibilité aussi. Mais, à ce moment-là, il n'y avait pas de pierre en D7. Est-ce que c'est pas un peu dangereux de faire ça? Si ça connecte, il faut revenir là, mais on se fait couper ici. En même temps, si on connecte ici, on se fait déchirer là. Et si on vient ici gentiment, Noir peut venir ici ou là. Bon, ici, j'imagine. Tac, tac, tac.
Il reste des problèmes. Il reste des problèmes. Oh, tout simplement défendre. J'ai l'impression que ça c'est trop périlleux vis-à-vis de D7. J'ai l'impression que les murs vont devenir celui-là qui fait jusqu'ici, on va dire. Et celui-ci, il se regarde de trop près. Donc est-ce qu'on a besoin de jouer de l'autre côté? Pas sûr. Ok, il était sûr de son coup. Peau douce. Il veut pas laisser ce mur se faire. Avec majorité en C3, j'aurais laissé la tarisse faire, on aurait répondu. Les noirs n'avaient pas les meilleures formes du monde, puisqu'il y avait une coupe ici, une coupe là. Donc il fallait d'abord un peu aider tout ça. Et ensuite on pouvait s'en aller ici. Ou en Kema tranquillement, par exemple, jouer léger. J'aime bien le cash en même temps, moi, j'aime bien les points. Donc, on a 1 minute de différence avec eux. Ok. Ça connecte. Je pensais que ça prendrait les Sansan. Ou peut-être pas le Sansan, mais C2. Si noir jouait C2, quand on descend ici, tac, on pouvait pas couper. Donc C2, ça pouvait être pas mal, je pense. Je sais pas. Bon, après, il peut l'avoir sur C2, mais. Ça réfléchit. Ouais, ça réfléchit pas mal, ouais. Même des deux côtés, hein, on a utilisé là. Bon, pour une partie sur Internet, on a utilisé 10 minutes chacun pour 25 coups chacun. Ouais, ça va. On a vu plus rapide quand même. Ok, est-ce que c'est pas le timing de jouer avec J3? Je pense. Hein. Parce que si on se laisse faire tranquillement, si on se laisse. Si on dit ok, non, on va là, bon, cette pierre elle a pas beaucoup d'importance. L'Atari, est-ce qu'il est si grave que ça? Ben, pas vraiment, puisque si Noir fait Atari et qu'on vient là, Noir perd son C2 qui était Sente. Enfin, Sente. Blanc ne pouvait pas bloquer en B2 en tout cas. Alors qu'avec une pierre ici, il pouvait. Donc il n'y avait pas trop d'utilité à venir là, je pense. Mais en y réfléchissant après, maintenant, j'étais plus team L4 que M3, je pense. Joue léger. Après, on trouve une base de vie, hein. C'est quand même assez bien de trouver une base de vie. Mais c'est pour ce genre de coup justement, les fermetures ici. Salut Goshi, ça va? Protéger. On va protéger. On fera peut-être du Cruiser 1, 2, 3. Cruiser Kings 2 ce week-end si tu veux. C'est pas impossible. Ça dépend des formes au début. On joue plus ou moins vite. Aussi. C'est vrai que là ça change parce que la première partie, là, l'autre l'adversaire il jouait ultra vite. Quand j'avais utilisé quoi 20 minutes quasiment, il avait utilisé un peu plus de 5, c'est ça non? Mais j'ai le droit d'aller là, non? Tac. C'est une noire force. Tac, 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 tac. On capture. Il y a là, mais on peut aller là. Parce que là, il coupe ici. On prend les pierres, mais il fait l'Atari, comme ça, il referme ici.
On fait un petit peu de points, mais c'est pas incroyable non plus. Mais en même temps, si on fait ça, il ferme direct aussi. Bon, allez. J'aime la Bretagne. On verra ce qu'on fait. Heureusement que c'est pas en tournoi, ça met la pression. Mais avec jouer vite, on peut se tromper. Ouais, clairement. J'ai hâte que ça reprenne les tournois là. J'en fais pas beaucoup par année en fait, donc j'ai hâte. Et blanc et noir bloc direct. Notamment parce que du coup la séquence avec 4-2 puis L2, ça a l'air de un peu plus marcher là. Ouais. Je me demande. K3 et puis L2, je veux dire. Ah non, parce qu'on protège en J2. Ouais. La stratégie Moyeu des Noirs, on leur souhaite bonne chance. Ah, c'est pas facile. Là, ça fait ça un peu à Gruyère. À voir, hein, mais. Après, ça attaque aussi notre groupe. Faut qu'on fasse attention. Les blancs sont flawless aussi. Flow, c'est quoi le jeu? Je vois pas. Sans faille. Ah. Je dirais pas ça non plus, hein, parce que ce groupe-là, il est pas frais non plus. Pas trop comment jouer. J'ai envie de faire ça. Mais c'est un peu gourmand peut-être. Un petit G5 en sonde. C'est ça, exactement. Ah, j'avais pas vu, pardon, avec la couleur des pseudos en fait, j'avais pas vu. Salut Hugues. Bonsoir à toi. Et Podos me dit, gaffe autant, je suis très mauvais en biomie. Bon savoir, répond Shineblood. C'est vrai que j'ai tendance à jouer très lentement. Ça monte comme ça. Est-ce que Noir aurait peur? Ou des petits trous. Désolé, je parle moins, hein. J'essaie de je vais essayer de pas faire de bêtises là comme et je suis avec quelqu'un donc il faut pas que je fasse les mêmes erreurs que d'habitude, on va dire. Peut-être que ça vous voit que je parle moins aussi.
Désolé, Chinou, j'ai l'impression de mal jouer depuis le début, dit Chris. Pas avoir le temps de faire ça, hein, mais est-ce que ça vaut le coup? Ok, TP pas fou. Oh, c'est vraiment le laisser à blanc le soin de jouer un autre coup, mais sinon ça. Parce qu'il a fait ça, on répond. Alors, on peut revenir couper. C'est un peu risqué. C'est pas très bon ça. Ça, bon. Est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas qu'on ait besoin tout de suite. Au cas où noir essaie de prendre un minimum de base de vie. J7 c'est mieux que l'Atari IMO. J7. Ouais, je préférais connecter en me disant j'ai la possibilité d'autre chose parce que là J7 tout de suite aussi c'est compliqué parce que la coupe c'est pas trop. Mais après ça donnait. Oups, Atari, tac. Vous pouvez venir là? Ouais. Tiens. Effectivement, il pouvait pas couper tout de suite. Ils ont fait des remakes pour que tu parles de ça. Un coup qui m'attire, je sais pas s'il est très bon. Non, je pense qu'il est pas incroyable. Allez là. E7. Non, c'était pas E7 qui m'a tiré. Pas loin, mais. Ça n'a pas l'air de très bien marcher, E7. Pas pour le moment. Truc à faire là. Il y a des trucs à faire. C'est à ce coup-là que je pensais avant, mais avant moi, il marchait pas trop. Maintenant, est-ce qu'il marche un peu mieux? En fait, là, sans cette pierre blanche-là, bon, noir allait directement ici, c'est évident, mais maintenant, c'est moins facile. J'aime pas trop ce coup. J'ai l'impression que je pouvais peut-être jouer à autre chose, mais je sais pas. Je suis pas très fan de ce coup. Shane Blood est fier de m'avoir fait jouer ça du coup.
C'est vrai que obligé à jouer un coup qu'on n'aime pas, c'est chiant. Ah, c'est bien joué. Ça marche pas parce que tu manques de pité, c'est ça. Prestige. Bon, maintenant en noir, il doit vivre. Où sortir, on me dit. Oui. Ça a l'air plus compliqué, ça a l'air plus facile de vivre. Et ça commence par là. Bon, l'heure de vérité. Sans qu'ils puissent sortir. Alors, je m'attendais pas à ça. Si c'est mouru, je crois. Faut que je, en fait, faut juste que je dise, prenez cette pierre si vous voulez, je pense. Pardon, il a pas mouru là. D'où c'est mouru? Ah oui, non. Ok. C'est ce qu'on disait. Effectivement. Parlez un peu vite. Bon, après, vous n'avez pas de points. Le mec n'est pas content. Je pense que c'est à peu près ce que veut dire le coup de peau douce en C12. Le blanc n'a pas non plus 36 000 points. Ouais. Bon bah c'est la fin d'une séquence, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est à moi de jouer hein, ça. Ouais. Ah, j'ai bien envie de jouer par là. Pouzo, s'il joue dur. A fallu longtemps pour la sortir, celle-là. Ok, je crois qu'il a pas aimé mon coup. On abandonne la pierre. Je m'attendais à ce que Noir aille en S15 et qu'on cross-cut. C'est pas passé comme je pensais. Je voulais faire. Mince. C'est pas un Shibori, c'est. Ah! C'est quoi le mot déjà? C'est pas un Shibori, c'est pas un Marguerite, c'est pas.
chose en riz, non? Je sais plus. Un bordel, exactement, merci. Non, les séquences où on joue léger, on abandonne quelques pierres, mais c'est pour prendre appui, je sais plus comment ça s'appelle. En plus, celui-ci, il est connu dans les exemples, là où Noir va ici, on cross-cut. Sabaki, merci. Merci, ça. Ah bah, Shiny Blood me dit ici aussi. Un Shirashi. Quoi? Non. Ici, hein. Oh, je vois un Tommy qu'on peut déchirer. Ok, ça nous Tenuki. En vrai, blanc n'a pas tant que ça de points non plus, mais. Un peu plus peut-être, mais. Avec le Komi notamment. 6-5 on disait. Peut-être compter un peu d'ailleurs. On peut dire 10 à gauche. 15 en haut, on va dire. 25. Il y aura 10 à droite, en bas à droite. Donc ça fait 35. On va dire qu'il y aura 5 ici, 40. On va dire qu'on est un peu plus de 45. Ah, je ne vais pas refuser ça. Bon, bah on est plus vers 50 en cash. Et noir. On va dire que ça va faire 5 même si c'est moins, mais. Si, peut-être 5, allez. Pour l'instant, on va dire 10 ici, 15. On va dire 10 avec ça. 25. On va dire que noir, on cache, il a 30 pour l'instant. Donc en cache pur. En cache pur. Blanc à 20 points d'avance. Jeanne Blue ne me dit pas trop besoin de compter. Ça sent pas bon pour blanc, dit Goshi. Ah bon? On est arrivé en même temps au Biomi. Ok. S14 non? Provoquer le plus de formes d'œil possible, parce que si on monte, ils peuvent aller là, si on va là, ils peuvent aller au milieu pour faire chier. Pour l'instant, il y a des belles formes, pour l'instant. Après, la partie aussi bien va s'arrêter rapidement si une des deux équipes perd pas le temps. C'est juste pour te mettre le stress. 10 secondes. 1, 2, 3. Pas faux, je suis déçu aussi. Et si, regarde, cette pierre, cette pierre, cette pierre. Ok. Important ça. Ça fait quoi ce coup?
10 seconds. 1, 2, 3. En fait, j'ai l'impression que ça, c'est très très gros. Je trouve que c'est immense ce coup. Bodo, s'il dit on a gagné, tu peux bodo. Ouais, ce coup-là était très très gros. Celui qui le jouait était avantagé, je pense. Blanc monte ici pour que noir ne développe pas trop le centre. Du coup, j'imagine que c'est pour ça qu'il a joué Q13 et pas D17. 10 seconds. 1, 2, 3, 4. Blanc veut absolument ces deux pierres, j'ai l'impression. Noir, pardon. Je suis pas sûr qu'il puisse les prendre. Ten seconds. Atari. Ok, zou. Ten seconds. One. On est sur la même longueur d'onde. Ten seconds. One, two, three, four, five. Ten seconds. One, two, three, four, Ten seconds. One, two, three, four, five, six, seven. T'as coupé de l'autre côté. Eight, j'ai regardé de l'autre côté, j'ai pas l'impression que ça donnait des suites intéressantes. J'essaie de trouver le côté qui ferait le plus chier en fait. Ten seconds. One, peut-être. Two. Ça reste à voir, mais peut-être. Bon, en tout cas, on est coupé. C'était le but. Ten seconds. One. Mais bon, rien n'est fait.
10 seconds. 1, 2, 3, 4. Je protège ça. Ouais, bon, c'était déjà une bonne réduction, on va dire. On va pas faire, on va pas être trop gourmand. Si on avait inversé les séquences, si on avait approché en allant par là, on n'aurait pas pu réduire autant, donc c'est déjà très bien. Ten seconds. 1, 2. Oui. Je sais plus qui est là, mais il y a un des deux qui a dû avoir une sueur à ce moment-là. J'ai mal pour noir. Ouais, là c'est douloureux ça. Ten seconds. 1, 2. À s'assurer qu'ici il se passe rien de trop chiant. Ten seconds. 1, 2. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est pour forcer ici un moment. Si on recule comme ça, on est en bon bout. Et si ça avance comme ça, on recule ici. Et si ça vient là, on colle. One, two, three, four, je sais pas trop five, ce que ça fait. Six. Regarde si on n'a rien laissé traîner de bizarre. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attendez ici. J'ai hésité avec là-bas, mais... Chris, il faut bien qu'on fasse 2-3 points quand même. Ah, c'est parce que Podio ça avait dit pas le moyo. C'est plus qu'un moyo là. Je pars compter du coup. Ten seconds. 1, 2.
10 seconds. 1, 2, 3, 4. Peut-être qu'il n'y a rien en fait. J'ai cru qu'il y avait quelque chose, mais peut-être qu'il n'y a rien. 9. Comboter, ouais, ouais, exactement. J'allais dire ça. On peut comboter des petits trucs juste pour faire chier. Mais... J'allais dire ça. C'est bien, on pense à peu près aux mêmes choses avec Podouce. C'est agréable. Ten seconds. 1, 2, 3, 4. Très agréable, tu m'étonnes. Tac. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ten seconds. 1, 2. Vous pouvez pas tailler? Peut-être pas. Peut-être pas. Ten seconds. 1, 2, 3. Ah, ça laissait 4, les possibilités de faire atterrir là, 5, mais c'était le bordel en fait. 6, 7, 8, 9. Ton N10 n'était pas top. N10. Ça va. Ça me choque pas. C'est un peu de cash, hein. Je pense que c'est pas trop mauvais d'aller là. 10 seconds. 1. C'est un petit peu de cash, ça. Après, oui, là, ça, je vois ce qu'il veut dire, parce que ça donne des points à noir ici. Faut recompter vite fait. Ten seconds. 1, 2, 3, 4. 5. On arrive à une petite soixantaine de points. Ten seconds. 1. Ah, je regarde un peu la même chose aussi. Et noir. Ten seconds. 1, 2, 3. Petite quarantaine. 5, 6, 7. La coupe, je suis pas sûr. Pas sûr que ça marche. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai un doute. 6, on va perdre une période. 8, 9. Non, ça marche pas vraiment. On prendrait cette pierre, quoi. On va refaire chier par là, je pense. Il veut couper.
Peut-être un peu gourmand. C'est gourmand. C'est deux pions, c'est pas trop. Qui a un coup là. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, j'imagine qu'il pensait à ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Non. Y a pas plus gros ailleurs. Il a pas envie qu'on tombe à deux périodes. je comprends. Ce genre de coup est assez gros. Pas mal de points par ici quand même qu'on se fait là. Chaîne bleue, il s'est passé des trucs là, ouais. Chacun a joué sa petite séquence en fait. Ah, c'est gros, les points qu'on fait ici, c'est gros. Ouais. On protège ça. Ça, c'est chiant à protéger ce truc donc. Après, il reste quelques gros coups de yossé encore. 10 seconds. 1, 2. Il y avait quelque chose. Noir faisait Atari. Blanc répondait. Si noir faisait Atari par ici, on connectait là en bambou. Si noir faisait Atari comme ça, vous pouvez couper ici. Impression. Je sais pas, peut-être que je loupe quelque chose, sûrement. Si les deux étaient d'accord, c'est, je suis sûrement dans l'erreur. Ten seconds. One, two, three, four. Chaîne bleue, oui, je cherchais des choses, il dit.
Vous êtes embêtant avec les petits coups là. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Par ici. Je pense qu'on pouvait jouer M13. Parce que M13, c'est juste si noir essaye de fuir en K14, on met Atari, ça sera un snapback, donc on peut jouer un cran plus gros. Et ici, il se passe quoi? Tac, tac, tac. Ça marche ça? On a l'impression qu'on a quand même deux yeux. Peu douce et outré qu'on essaie de nous tuer. Ouais, ça peut servir à fermer, ça c'est vrai. Ten seconds. One, two, three, four. Ten seconds. One, two. Bon, j'ai pas eu le santé depuis, je crois, ce coup-là, donc je pense que je vais pas répondre à ça, je vais plutôt revenir là, que je trouve gros assez depuis tout à l'heure. Si noir glisse en B18, c'est gros, non? Ten seconds. Tu vis que des parties pour l'Elixor, mais c'est pas... Moi j'essaie de jouer simple. Bon allez, Rengo, c'est logique que ce soit bordélique. Par contre, ici, il commence à y avoir des petits trucs marrants, non? 10 seconds. 1, 2, 3... Bon, ça va pas trop loin non plus, hein, mais bon. Tant qu'on fait chier. Ten seconds. One, two. 3, 4, 5. Le plus grand des discrétions. Salut Povo. Au 5. Puis P6. Ouais, mais quand on fait. Tac, tac, tac. En fait, quand on fait au 5, noir répond ici. Et quand on fait P6, noir capture. Cette pierre à la fois. Donc ouais, ouais, effectivement, on a l'impression qu'il y a un truc, mais ça marche pas. Et bienvenue à toi, hein, c'est ton premier message. Bienvenue à toi. Mais oui, clairement, on a l'impression. Bon, bah ça, ça a l'air gros quand même, ces deux pierres. Plus ces deux points, ça fait 6 points. C'est cool.
Ils abandonnent. GG. GG, GG. Ouais, merci pour la partie, Chris. Merci pour la partie, Shine Blood et GG à Podouce.